Bonjour les élèves, comment ça va? Aujourd'hui, on va apprendre les chiffres de 1 jusqu'à 10. Mais d'abord, on va regarder une petite chanson. Vous êtes prêtes? On commence. Maintenant, on va voir les chiffres de 1 jusqu'à 10. Voici les chiffres de 1 jusqu'à 10. Je vais les lire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, on va voir les chiffres en lettres. 1, 1 en lettres. 1. 1. Il y a combien de chats ici? Il y a un seul chat. 1. 2. En lettres. 2. 2. 1, 2. 3, 3 en lettres, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 4 en lettres, 4, 4. Il y a combien de crayons ici? On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4. 5, 5. 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 pommes. 6, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, et 7 en lettres, 7, 7. On va compter les avions. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Huit.
8. 8. Il y a combien de ballons ici? On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 9. 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 10. 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant avec l'application. Exercice numéro 1, écrit. 2 et 3, ça fait combien? 2 et 3. Oui, ça fait 5. 6 et 1. 6 et 1, ça fait combien? Oui, 6 et 1, ça fait 7. 3 et 1. 3 et 1, oui, 4. 3 et 1 et 4. 1 et 9, ça fait combien? 1 et 9, oui, ça fait 10. 4 et 5. 4 et 5. Oui, c'est 9. 4 et 5 égale 9. 2 et 6. 2 et 6 égale? Oui, 2 et 6 égale 8. 2. Complète. 2 égale en lettres. Comment écrire 2 en lettres? Oui. D, E, U, X. C'est quel mot? Oui, c'est 10. 10. On va écrire 10 en chiffres. 4. 4. Comment écrire 4? En lettres, oui, Q, U, A, T, R, E. 4. 7, c'est 7. On va écrire 7 en chiffres. Exercice numéro 3. Complète les chiffres en lettres. On va compléter les chiffres en ordre et en lettres. 4. Après 4, c'est combien? Oui, c'est 5. On va écrire ici 5. 5. Après 5, c'est 6. 7. Après 7, oui, c'est 8. On va écrire 8. Après 8, c'est 9. Très bien. 9. Et après 9, c'est 10. Exercice numéro 4. Regarde le dessin écrit. Voilà, ça c'est un dessin. Observez bien le dessin. Qu'est-ce que tu vois dans ce dessin? Oui, il y a la maison. Il y a des arbres. Il y a une famille dans le jardin. Il y a des chiens. Il y a une fille, garçon. Il y a beaucoup de personnes ici. Et maintenant,
On va regarder l'exercice. Numéro 1. Il y a point garçon. Il y a combien de garçons dans le dessin? On va revoir. On va compter les garçons ici. Il y a combien de garçons dans ce dessin? Cherchez les garçons. Oui, il y a un seul garçon dans le dessin. Un. Alors, il y a un garçon. On va écrire un. Il y a femme. Il y a combien de femmes dans le dessin? On va voir. Ah, regardez et comptez les femmes dans le dessin. Il y a combien de femmes? Oui, un et deux. Il y a deux femmes dans le dessin. Un et deux. Alors, il y a deux femmes. Il y a point fille. Il y a combien de filles dans le dessin? On va voir. Cherchez les filles dans le dessin. Il y a combien de filles? Oui, il y a une seule fille dans le dessin. Ça, c'est la fille. Alors, on va écrire, il y a une fille. Numéro 4. Il y a point chien. Il y a combien de chiens dans le dessin? On va voir et compter ensemble. Ah, où est le chien? Oui, ça c'est le chien. Il y a combien de chiens? On va compter ensemble. 1, 2, 3. Alors, il y a 3 chiens dans le dessin. Il y a 3 chiens. Il y a 3 chiens. Numéro 5. Il y a homme. Il y a combien d'hommes dans le dessin? On va voir. Ah, où est l'homme dans ce dessin? Il y a combien d'hommes? Oui, il y a un seul homme dans le dessin. Voilà, ça c'est l'homme. Alors, il y a un homme. Merci pour votre attention et à bientôt.